someone's coming for you, and you're not gonna like it. He's done awful things to people, and he'll do awful things to you. Yeah. I'll kill them all. Of course you will. Gangster style, bitches. On est plutôt en forme, on est plutôt gay, on a plutôt de la bonne musique, des phrases badass. When an adult male is chasing a female with intent to commit rape, I shoot the bastard, that's my policy. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle OP top tendance et complètement schizophrène, puisqu'on s'en va louer la consistance de films high concept, ce qui est un oxymore, pour tenter de comprendre en quoi ça suffit désormais à susciter l'emballement. Mais comme il n'y a pas de musique pour étayer la chose, alors ce sera une spéciale. Who's bad? Ceux qui ont compris qu'un concept infatué, aussi fantasmatique soit-il, suffit à créer des émules, ou ceux qui, lassés par tant d'années d'idiocratie et de déception douloureuse, se raccrochent sans nuance à une certaine idée de la consistance, quand bien même celle-ci serait vaine et se suffirait à elle-même. Vaste question qui n'est pas sans rappeler d'autres considérations plus présidentielles, et qui n'est que la résultante d'une époque où on se raccroche à ce qu'on peut, moi le premier, pour ne pas croire qu'on ne peut plus croire. Qu'un tel manque de produits culturels, malheureusement, mais consistant, exigeant, bien foutu, que quand t'as le moindre petit truc qui arrive avec une idée un peu plus sympa, qui fait pas forcément du produit culturel un chef-d'œuvre, mais c'est porté au pinacle immédiatement. Your descent into hell begins here, Mr. Wick. Do be careful on your way down. C'était trop bien à Londres. Et t'es resté combien de temps? Je suis resté 5 jours. Mais putain, quand t'es là-bas, t'as pas envie de revenir ici. Ouais. Là, tu pars à Londres, t'es jouasse, tu reviens à Paris et tu pleures. Alors oui, nos films concept du mois sont outrancièrement célébrés pour leur exécution ou leur consistance, oxymore toujours, et devraient simplement être considérés comme d'intéressantes séries B, voire des exercices de style iconoclaste sans autre portée que leur dimension méta. Mais comment jeter la pierre aux fans de genre depuis si longtemps menés en bateau? Des fans labellisés geeks sans que ça ne veuille plus rien dire, étiquetés cibles d'un marché dont on feint de considérer la singularité et à qui on n'a plus besoin de promettre la lune pour qu'ils s'évertuent à consommer. T'écoutes les mecs, t'as l'impression que t'as vu les chefs-d'œuvre du siècle, quoi. Faut plus écouter. He's not. La logique du moins pire, d'aucuns diraient le front républicain, qui a si souvent montré ses limites qu'on s'étonne qu'elle soit encore d'actualité. J'ai envie de danser, moi. Moi, j'ai été à Londres. Quand j'étais en train de voir Les Misérables à Londres, le spectacle que tu vois, il est juste parfait. Le souci d'exigence, le taf. Donc moi, j'ai décidé, maintenant, je vais aller une fois par mois à Londres. When are you coming back? Never. Mais bon, si l'image est bonne, le concept fun et l'exécution à la mesure, que le programme soit vain n'a finalement plus d'importance. Ces trois films, qui sont presque vendus avant d'être sortis, c'est comme La La Land, c'est comme tous ces trucs-là, où t'as Deep Eloy qui voit le film trois mois avant les autres, c'est génial, ça a commencé avec les syndromes des mecs sur les Marvel, tu sais, putain, j'ai vu Thor 2, c'est une tuerie, quoi. Et alors, tout le monde, Thor 2, et puis bah non, c'est de la merde, mais bon, c'est pas grave. On pourrait trouver ça regrettable, mais on peut aussi se dire qu'il y a un début à tout, et que le souci de consistance signe peut-être le retour d'une certaine forme d'exigence. Pourquoi tu rigoles? Je vais pas y arriver si tu fais des conversations. Non mais là ça part en. Là on est trop français là. J'aimerais un peu d'exigence anglaise. J'ai bien vu que t'étais dans un trip anglais là. Ouais. Puis il va revenir, il va me dire. Vous avez déjà écouté les Beatles? C'est vachement bien. Hein. J'ai découvert un truc, ça s'appelle les Beatles. Putain, hey, Londres c'est génial. Bref, tant dans leur concept qu'à l'aune de leurs personnages, ces films s'amusent à scander. Et si la récompense est creuse, elle a au moins le mérite d'exister.
Contrairement à notre habitude, nous allons donc commencer par le film overhype du moment, à moitié justifié, qui correspond parfaitement à ce que je viens de dire. Hey, pardon, sir, I think you have the wrong car. On attaque donc cette émission avec le grand retour de... Le nouveau chef-d'œuvre de... Le monument de suspense de... dont l'intrigant et nombriliste twist final suffit à faire oublier tout le reste et à justifier l'emphase de festivalier sur le cul dont le pouvoir de contamination des idées devrait un jour être sévèrement questionné. Je parle bien sûr de... Raising Kane. J'adore ce film. Je parle bien sûr de... Split. Titre horrible, le dernier chien malin qui signe donc son grand retour après avoir signé son grand retour dans The Visit, une fois qu'il avait signé son grand retour à la télé dans Wayward Pines, même si certains considèrent déjà que La Jeune Fille de l'eau était un grand retour. À tout cela, je dis donc joyeusement... Shut the fuck up! À se demander presque s'il ne suffit pas que Shyamalan balance un twist qui te retourne le cerveau pour que Trois Péloy hurle à son grand retour. Ok. Mais en réalité, que l'on adore ses premiers films ou que l'on conchit ses plus récents, sa conception toute particulière du cinéma, comme interrogateur des mythes et des genres fantastiques, a toujours été là. De façon plus ou moins intime, plus ou moins brillante, plus ou moins égotique. La force de Shyamalan, c'était pas ses twists. C'était même pas tant que ça la façon dont il revisitait les codes du genre. C'est que ces films avaient une humanité hallucinante et qu'il y avait une dimension qui était un peu la dimension de Bayona, là où Bayona le dit plus frontalement, qui est comprendre quelle est la valeur de certains de ces mythes, de ces figures. Moi, j'avais toujours pensé que t'enlever le twist à la fin de Sixième Sens, ça restait un film riche, dense sur ces personnages. Moi, ce que je préfère dans Signe, c'est le rapport à la foi de Mel Gibson. Ce que je préfère dans Incassable, c'est la fragilité des personnages, c'est cette dimension intime. C'est ramener des films qui ont des genres qui ont été traités d'une certaine manière à leur dimension intime, à leur dimension profondément psychologique et à leur valeur en tant que mythe. I've never seen a case like this before. 23 identities live in Kevin's body. Who are you? En cela, le concept Split est logique, énième exploration de genre codé dont il met intelligemment en perspective les croyances, avec sans doute pour lui l'épure des origines, tant dans la mise en scène qu'à l'aune des arcs psychologiques de ses personnages. Sauf que le twist final, qu'on ne peut hélas révéler sans quoi la seule dimension réflexive du film s'effondre, tend à phagocyter le concept dans son ensemble. Tell us. I'm not supposed to say. Un concept intéressant qui, comme dans le Sixième Sens, Incassable ou Signe, légitime la figure fantastique comme réponse aux affres du corps et de l'âme humaine, que l'on comprend ici très rapidement puisqu'il est clairement étiqueté, mais que le réalisateur tente à délayer lourdement en offrant comme seule réponse un renvoi à une autre mythologie qui lui serait donc consubstantielle. What will happen when he unlocks the potential of his brain? There is no limit to what he can become. C'est effectivement très surprenant et je suis resté relativement dubitatif quant à une signification plus complexe que l'évidence que je viens de citer. Et à mon humble avis, ça n'éclaire pas davantage le reste du film, comme ça n'en sauve pas la dimension redondante. Car aussi intrigante puisse être la volonté de ce twist, qui n'en est pas un d'ailleurs puisqu'il ne chamboule en rien ce qui précède, aussi fascinante puisse être la connexion mythologique qu'il opère, il n'enrichit pas en réalité la thématique du film, ni son intrigue captivante, visuellement transcendée, mais qui tourne à vide une fois tous les enjeux posés dans sa première demi-heure. Ce qui suscite l'emballement est évidemment la dernière séquence du film. Je m'y attendais pas non plus, donc j'ai été surpris comme tout le monde, tu vois, je vois le truc, je fais « Oh putain, what the fuck ?» I see, that's clever. Mais tout de suite, je me suis dit « Ouais, mais... » Tu l'enlèves, elle change rien au film. Donc c'est pas un twist. Et thématiquement, elle ne me dit rien de plus fondamentalement. Elle n'apporte pas une pierre à l'édifice de la thématique du film. Se pose donc la question de l'utilité de ce twist qui en réalité ne dit rien plus que ce qu'on aurait pu comprendre par soi-même s'il n'avait pas été là. The world will understand now. The beast is real. À moins peut-être qu'il y ait la volonté appuyée, ce qui ne m'étonnerait pas vu le bonhomme, d'asseoir comme un coup de poing le sens de son œuvre, en s'amusant ironiquement des codes lourdingues des cinématiques univers actuels et de leur filiation forcée. Toujours est-il que le Shyamalan qu'on aimait n'aurait pas eu besoin de ça, et que la densité de ses premières œuvres avait déjà valeur d'univers. Ici,
Le twist tente de donner du sens à un thriller certes captivant, mais à la psychologie paradoxalement sommaire, qui hormis la maestria de ses cadres et de son découpage, n'est pas si troublant que ça, pas si touchant que ça, pas si profond que ça. Et donc du coup, ça signe quand même comme une petite afféterie. Ça signe aussi comme une façon d'essayer de faire croire que j'amène un deuxième niveau de lecture à un film qui finalement est quand même pas mal creux sur plein d'aspects. C'est censé être un thriller psychologique où la psychologie, elle est pas si évoluée que ça, quoi. Là où même Signe, Incassable ou Sixième Sens étaient des œuvres complexes et universelles qui nous touchaient tous. Bref, un bon thriller, mais un peu vain, à qui il manque cette humanité bouleversante dont Shyamalan savait être le peintre à ses débuts. Le film a plein de qualités, attention, hein, Split a plein de qualités, mais en plus j'ai vraiment de l'attachement pour les acteurs qui jouent dedans, j'aime bien Shyamalan, le début je le trouve captivant, mais voilà, au bout de 45 minutes, je commence à m'emmerder. Je dis, ah, hey, donne-moi du biscuit, mec, putain, tu me racontes quoi, là? Tu me racontes un mec qui va jouer l'enfant, qui va jouer la femme, je l'ai déjà vu. Une fille qui va essayer de se sortir de là où elle est séquestrée, qui a un trauma, je l'ai déjà vu. Donc maintenant, qu'est-ce que tu me donnes d'autre à me foutre sous la dent, mec? C'est quoi le biscuit? Et je l'ai pas. Et je l'ai pas le biscuit. Avec l'autre high concept du moment, dont le postulat du premier opus, Kinyu va valiger son chien, c'est trop drôle, avait suffi à ce que tout le monde se pignole dessus. Cette fois, il venge sa voiture, sa maison, ses potes en se foutant tout le monde à dos, ce qui suffira sans doute à ce que le pignolage devienne une explosion d'essence prompte à émoustiller même ma grand-mère. Vous l'aurez compris, je parle bien sûr de l'inénarrable et overhypé John Wick 2, toujours réalisé par l'ancien cascadeur Chad. Comment on dit Chad? On dit Chad. Chad. Chad ou Chad? Chad. Chad. Je devrais dire toujours réalisé par l'ancien cascadeur. C'est pas très clair, mais c'est pas grave. John Wick 2, toujours réalisé par l'ancien cascadeur Chad Stahelski, dont la dimension en tout cas bigger, better, louder, le consacre comme actionneur à la conceptualisation théorique. Une abstraction faite film qui finit par devenir plus intéressante que l'action taylorisée censée sous-tendre le concept. I need you to do this task. I'm not that guy anymore. You're always that guy, John. Ceux qui se rappellent de ma chronique sur John Wick savent que je n'étais pas plus excité que ça, car au-delà du concept, au-delà de la blague, au-delà même de la bonne idée d'un monde criminel comme réalité alternative, ce qui compte dans un film d'action, c'est l'action. Ses idées scénographiques, ses chorégraphies, sa mise en scène. Et comme le réalisateur n'avait pas trouvé de meilleure inspiration qu'Antoine Fuqua, voire pompé carrément son Replacement Killers, ben le truc tournait vite à vide et je m'emmerdais ferme devant des fusillades de one shot one kill qui se ressemblaient toutes. Je rassure mes détracteurs, John Wick 2 n'évite pas l'écueil, et même s'il s'avère doté d'une superbe photo, de décors magnifiques et de chouettes idées qui ne vont hélas pas toujours au bout de leur logique, deux des trois grosses scènes d'action du film s'enlisent dans la même logique que celle du premier opus et réitèrent ad nauseam les mêmes idées scénographiques, les mêmes plans et souvent les mêmes mouvements chorégraphiques, tuant dans l'œuf le nécessaire et impérieux crescendo dans l'action. Aujourd'hui, on confond un peu tout. Alors tout d'un coup, il suffit que t'aies qu'il y ait des mecs qui aient 14-16 ou que ça tire dans tous les sens pour « Ah, c'est génial, c'est de la super action !» Moi, je vais encore taper les classiques. Je suis désolé, hein, mais je veux dire que moi, on me parle d'action. Moi, je parle de Blade 2, je parle de Starship Troopers, je parle de Die Hard. Blade 2, j'ai encore ce souvenir d'être comme ça sur ma chaise en me disant « C'est énorme, c'est énorme !» Mais je bandais, je jouissais, j'explosais. Magari a besoin d'un habit noir. Les films, ils te filent la trique jusqu'à la fin. Ça fait une montée. Moi, quand je regarde John Wick, bon, j'ai compris. Boum, tu tires dans la tête, je fais des trucs à la Equilibrium de merde. Et puis, je te fais ça tout le temps. Et pourtant, les 15 premières minutes du film, hallucinant garage porn ou centre-choc, tôle froissée, cascadeur suicidaire, VFX dément et cadrage inédit, m'ont assis sur le cul et m'ont fait croire à un putain de chef-d'œuvre de l'action en devenir. Il décide de venir chercher chez les mafieux sa bagnole,
Et les mecs, ils ont des idées. Alors, tu vois que c'est un film de cascadeur, tu vois que c'est une scène de cascadeur. Ils ont tenté dans cette première scène des plans de ouf. Pas de se rentrer dans les mecs, ils volent et je t'ouvre la portière et la caméra qui tourne. Et enfin, il y a des effets qui sont mortels. Et en plus, marrante parce qu'entrecouper des plans sur Peter Stormer qui est en train de faire genre c'est le chaos dans mon garage. Tout le reste du film regorge d'ailleurs de petites idées de mise en scène malines qui jouent des archétypes des personnages ou du décor irréel qui les entoure. Mais hélas, aucune ne dépasse vraiment le cadre de l'artifice sympa et n'explore jamais ses limites, ce qui susciterait une jouissance bien plus forte que celle que l'on ressent en l'état. So I guess you have a choice. You want a war or do you want to just give me a gun? Le film a beau enchaîner des fusillades orgiaques, avec parfois cet humour pince sans rire qui rendait le premier opus attachant, elles finissent toujours par lasser, parce qu'à contrario de celles orchestrées par les ténors du genre, elles ne sont jamais soutenues par une mise en scène stratégique, elles ne font pas toujours évoluer les personnages, et ne suscitent guère d'autres émotions que la rigolade ou le clin d'œil complice. Plein de fois, il y a des petites idées, mais ils les amènent pas jusqu'au bout. Il y a ce moment où ils se retrouvent dehors sur une place et t'as la fontaine, t'as une fontaine avec l'eau qui monte, l'eau qui descend, et ils se retrouvent comme ça, et c'est l'eau qui descend, je te tire dessus, l'eau qui monte, je sais plus où t'es. Mais ça dure quoi? Ça dure rien, ça dure 10 secondes. Là où t'aurais mis Tsuyar Kujonu, je peux te dire qu'à la fin, il n'y avait plus de fontaine, et c'était le chaos total, et ils seraient allés au bout de la logique de l'idée. Tu vois, là, il ne le fait pas. Ce n'est plus l'action qui compte, mais l'abstraction presque picturale de l'univers dépeint. Des fameux hôtels alternatifs à une Rome mafieuse fantasmée, jusqu'à l'idée très wachowskienne, et ce n'est pas innocent, d'un système dans le système qui finit par devenir le système, pour ne pas dire la matrice, il y a l'air de rien, et sans doute inconsciemment, une forme de mise en perspective allégeuse, baudrillardienne de notre monde, que je ne pensais pas ressentir en allant voir cet apparent produit de l'idiocratie ambiante. How exciting. Yeah. Et en fait, petit à petit, ils distillent cette idée que t'es dans une matrice où en réalité, n'importe quel passant, n'importe qui, en fait, c'est que des tueurs. C'est où que le mec se trouve, tous les gens qui regardent deviennent des tueurs. You have no idea what's coming. Mais l'air de rien, c'est malin. C'est malin parce que y a une vraie forme d'ironie par rapport même aux attentes du spectateur. Donc c'est intéressant parce qu'on te vend une espèce de truc genre « Hey, c'est rigolo, c'est fun », mais on te dit en même temps « Tout ce que tu vois, mec, c'est du pipeau. Tout ce que tu vois est factice. » Même la galvanisation que tu pourrais penser avoir, elle est factice. J'ai pas trouvé mieux que de dire une forme de mise en abîme de son propre concept. C'est-à-dire, c'est vraiment un film conceptuel, théorique, qui arrive à un tel degré d'abstraction qu'il en devient super intéressant. Et plus j'y réfléchissais, plus il m'obsède ce putain de film. Je suis sorti en me disant, oh, c'est naze, et puis il me lâche pas. Je suis désolé, mais Split, j'y pense plus depuis que je l'ai vu. John Wick, j'y pense encore. Et j'ai qu'une envie, c'est aller le revoir. Incroyable! Allez voir John Wick 2, mais pas pour les raisons que vous croyez. Whoever comes, I'll kill them. I'll kill them all. Of course you will. Involontaire ou pas, cette démarche radicale dans la proposition, balancée sous couvert d'une désinvolture très actuelle, vaut à elle seule le détour, comme si à travers le factice de cet univers méta, se distillait la mise en abîme de notre réel. Tout ça, toute proportion gardée, bien évidemment. Fou, je suis fatigué, putain. Oh là là, mais je parle trop, c'est insupportable. Faites-moi taire, putain. Ferme ta gueule, putain. Mais ferme ta gueule. Shut the fuck up. At least four blocks around, houses aren't occupied. No people means no 501 patrol. It's gonna be a piece of cake. The guy's a shut-in, hasn't left his house in like 5 days. I say we do it within the house. We'll get a chloro-bomb. Don't breath! Alors Don't Breath, ça va être le truc le plus chiant. D'ailleurs, c'est une note que j'ai essayé d'éviter au maximum de mettre le titre du film dans le texte parce que dire Don't Breath pendant tout le film, c'est chiant. Pour finir, encore une histoire de bad motherfucker qu'il ne fallait pas emmerder, et de nouveau, l'éclatant emballement autour d'un exercice de style cohérent par rapport à son concept et visuellement inspiré, mais qui s'enferme tout seul dans sa logique déconstructrice. Je parle bien sûr de Don't Breathe, Don't Breathe, ça va être chiant à dire, de Fede Alvarez, qui suscite en moi comme un sentiment partagé. À la fois la joie non dissimulée de voir enfin un film d'horreur avec de vrais partis pris de mise en scène,
et l'agacement de constater que cette mise en scène ne sert aucun autre propos que la célébration de son iconoclasme. Évidemment, je pourrais me joindre au concert de dithyrambes ayant accompagné le film, car il faut bien reconnaître que ça fait des lustres qu'on n'avait pas vu au cinéma un film d'horreur aussi bien foutu. Mais par bien foutu, j'entends davantage en termes d'exécution visuelle, de construction de personnages et de soucis de consistance vis-à-vis de son concept que de scénario à proprement parler. Un scénario bourré d'invraisemblances, pas très intéressant, et qui dans son dernier tiers gâche par du surlignage et des effets faciles tout le mystère et la tension distillés en amont. Quant au dynamitage des codes du Home Invasion, mis en avant ci et là comme argumentaire imparable sur sa singularité, c'est un peu vite oublié non pas le sous-sol de la peur, référent à l'évidence suspecte, mais des films et remakes récents comme La Dernière Maison sur la Gauche ou The Strangers, le film américain, pas le coréen, qui n'étaient pas dénués d'idées de mise en scène ou de scénarios intéressantes. Mais en réalité, la vraisemblance ou pas du scénar, on s'en tape, car Don't Breathe se pense théoriquement plutôt que narrativement un peu à la John Wick et s'évertue avant tout à exploiter jusqu'à plus soif son concept, en l'occurrence corréler la classique peur du noir à la cécité d'un personnage victime qui devient figure du mal. Who's there? Stay right fucking there. La façon dont il est amené d'une étape vers une autre est plutôt maligne, parce que il passe de victime, il réagit de manière violente, mais tu pourras encore l'excuser. Et puis après, il réagit d'une manière, là, tu l'excuses plus, mais il y a vraiment un jeu. De répulsion, attraction vis-à-vis de ce personnage qui est intéressant. De la première à la dernière image, Fede Alvarez joue de cette idée maligne, exploitant tout le champ lexical de l'ombre et de la lumière, en particulier avec la brillante utilisation de la vision nocturne, et va jusqu'à bluffer son monde par une mise en scène au cordeau ultra précise qui cite parfois un peu trop le petit manuel du David Fincher illustré. Alors oui, et son remake d'Evil Dead en témoignait déjà, Fede Alvarez sait filmer l'horreur mille fois mieux que la plupart de ses collègues. Oui, ces personnages de jeunes intrusifs sont mille fois moins cons que dans la majorité des productions du genre. Seriously? Et oui, il réussit même à transformer Stephen Lang, l'involontaire boogeyman, en figure du mal instantanément iconique dont on rêverait de suivre d'autres aventures. There's nothing a man cannot do once he accepts the fact that there is no God. Mais comme son remake d'Evil Dead en témoignait déjà, le bougre a beau avoir des idées de mise en scène jouissives, elles ne dépassent jamais vraiment le stade de la prouesse vaine et sont parfois si autosatisfaites qu'elles peinent à provoquer l'émotion recherchée, en l'occurrence la peur. Tout le problème que j'ai avec le film, c'est que j'en ressors et j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que j'ai pas eu peur, j'ai pas été touché, j'ai pas eu d'empathie pour qui que ce soit, à part si tu veux le regard critique distant qui dit bah, « ce mec est virtuose en mise en scène ». Moi ça me fait marrer, moi, les mecs qui sont virtuoses en mise en scène, mais si t'as rien à dire. Je me trompe peut-être, mais au-delà de la consistance qu'elle peut assurer, de la symbolique qu'elle pourrait véhiculer, et bien sûr de la virtuosité qu'elle peut rechercher, une mise en scène sert à produire des émotions, pas simplement à en véhiculer. Ce n'est pas la mise en scène qui me produit des émotions. La mise en scène dans ce film ne fait que me véhiculer la peur ou les traumas des personnages, mais c'est tout. Donc je regarde, je dis ces personnages ont peur. Mais moi non. Yo, this is it, man. Take it or leave it. Peut-être ai-je trop vu le film de Jimmy Lahu. Peut-être ai-je trop vu plus. Peut-être ai-je trop bu. Bon, je vais aller revoir Les Misérables. Hein? Ce sera mieux. Et pourquoi c'est ici, Les Misérables? Oh, t'as pas besoin d'aller à Londres, mon frère. Voilà, je vais pleurer là. Le maquillage, il va être niqué. Oh là là. Yeah, like I really give a fuck. What'd you say? Peut-être ai-je trop vu de films d'horreur pour être à nouveau impacté, mais en réalité non, parce que quand je revois pour la 20e fois Les Dents de la Mer en DVD, eh ben j'ai toujours peur. Il y a un problème en fait dans cette réal, très ostentatoire et finalement tellement maîtrisée, millimétrée, qu'elle n'autorise plus une fragilité qui peut te produire une émotion. Cette idée de frôler l'ennui pour que l'effet ait du sens, c'est une vérité absolue. Dans le cinéma de genre, et le cinéma d'horreur en particulier. Moi, quand j'ai Roy Scheider qui est en train encore de donner le truc, j'appréhende toujours le moment où Bruce il va sortir sa gueule, et j'aime pas.
Alors tu vas me dire, ouais, mais c'est parce que t'as peut-être peur de l'océan ou t'as peur des requins. Non, c'est pas ça. C'est finalement moins la mise en scène que l'enchaînement des plans et le découpage. Opération Frisson, c'est terminé encore une fois, il n'y a pas de give me the DVDs, you bad motherfucker. Don't Breathe, vous l'avez sans doute déjà vu, c'est en tout cas très intéressant en termes de mise en scène. Allez voir John Wick 2, mais pas forcément pour les scènes d'action, mais vous verrez qu'autour de ça, il y a une espèce de truc bizarre, une conceptualisation du film d'action qui est intéressante. Et puis Split, c'est Shyamalan, et puis il y a ce twist, et bien tout le monde va vous parler, alors vous avez forcément envie d'aller voir le twist final. Je suis pas sûr que ça vous éclaire davantage sur votre existence, mais malgré tout, ça peut être intéressant à regarder. Pour vous quitter, on s'est dit que finalement, vu qu'on a pas mal parlé de l'ombre, du génie anglais, hein, et de la comparaison avec nos amis français, ben, tant qu'à faire, autant mettre une brute de la chanson française pour cette époque absolument formidable. Viens-t'en dans mes bras, darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste, on s'en fout, you are the one for me, for me, for me, formidable. How can I?